Avocate, traductrice, restauratrice, elle est arrivée au Québec à l'âge de 10 ans et ne parlait que vietnamien. Aujourd'hui, cette Québécoise d'adoption est une auteure francophone traduite dans plus de 25 pays. Bienvenue dans le rétroviseur de Kim Thuy. J'ai pas peur demain de me retrouver là, à zéro, de nouveau. En fait, j'aime beaucoup cette course-là. Bonjour, Kim. Bonjour. Bienvenue dans le rétroviseur. Vraiment, je pensais pas que j'avais assez d'archives. Pour mériter la place. Ah oui, tu vas être surprise. Puis, je suis heureuse parce que je suis devant une invitée qui avait vraiment envie de se prêter au jeu. Ben, c'est comme une séance chez le psy, okay. Mais gratuit. Bon, ben parfait. Alors, je te souhaite une bonne séance. Oui. On va commencer avec un extrait de 2010. C'est quand ta carrière publique a pris son envol avec la publication de ton premier roman, Rue. Et un roman qui a failli ne jamais être publié si on se fie à ce que tu disais à l'époque. Donc, j'ai écrit ça, j'avais pas l'ambition de le publier parce que autrement je l'aurais pas écrit de cette manière-là. Mm-hmm. Et puis finalement, c'est cette structure-là qui a fait en sorte qu'il est sorti du lot, qui a plu, séduit. En fait, ouais, qui a séduit le public français.